Bonjour, aujourd'hui je vais faire une petite review sur des oreilles réalistes de chat. Comme ça se fait pas mal en ce moment d'ailleurs, niveau tout ce qui est cosplay et aussi e-girl, j'ai remarqué en fait sur Instagram, on voit beaucoup de gens qui en portent. Et en général, ils les font commissionner à, je sais pas si ça se dit commissionner, commissionner à des artistes qui sont sur Instagram. En général, ça coûte entre 20, allez, si on trouve 20, c'est waouh, entre 20 et ça peut aller jusqu'à des centaines d'euros pour des oreilles de chat, de chien, de chauve-souris, de lapin, vraiment tous les animaux qui ont des oreilles quoi. Ça coûte vraiment cher et depuis peu du coup sur AliExpress, sur eBay, sur sans doute Amazon je pense du coup, ils ont commencé à vendre leurs oreilles à eux de chat. Il y a plus de chats, j'ai cherché s'il n'y avait pas des chiens ou d'autres animaux mais ça coûte beaucoup plus cher et ce que j'ai remarqué dans les commentaires, la qualité elle n'était pas toujours très très ouf. Du coup, je me suis basée sur un truc plutôt simple, genre les chats, et en plus, comme je fais pas mal de Neko Girl, et que je voulais m'en prendre pour mes cosplays de Vanilla, par exemple, et je me suis dit, c'est parfait, on peut prendre ça. Je les ai eues pour 8 euros, je crois. Je crois que c'est 8 euros par ici. Sur AliExpress, du coup. Et du coup, elles sont arrivées aujourd'hui. Elles sont arrivées assez vite, elles sont arrivées en... à peine 2 semaines je crois, ouais, peut-être 1 semaine et demie, 2 semaines. Ensuite j'en ai commandé 2 paires, des blanches et des noires parce que c'est les plus simples et celles que je vais utiliser le plus je pense. Du coup c'est parti, on va l'ouvrir. Tadam! Elles sont emballées, waouh, elles sont trop mignonnes, ah ouais. Ah je m'y attendais pas. Elles sont toutes petites, j'adore. Tadam. Ah voilà. Alors moi je pense qu'il faut pas mal les brosser et faire quelque chose avec parce que là elles sont toutes fluffy par contre et ça c'est trop mignon. Par contre moi je voyais ça plus ici, là on voit ça, ouais, même à la caméra on voit ça beaucoup plus rose alors qu'en vrai dans la vraie vie c'est plutôt orangé. Bon après ça dérange pas, ici on voit par contre que c'est beaucoup plus rouge du coup, je sais pas, c'est bizarre. Du coup voilà, elles sont vraiment toutes légères. Toute douce. Du coup, on peut trouver des petites pinces en dessous. C'est dommage qu'ici, ils l'ont pas mis en blanc. Mais il y a des petites pinces pour attacher dans les cheveux. C'est pas en serre-tête. Je suis plutôt contente. Ça perd pas de poils. Enfin, les miennes, elles perdent pas de poils. Je vais les mettre. Donc, en plus, je pense que sur les wigs, ça doit vraiment bien tenir. Parce que c'est des petites pinces. Et du coup, les pinces, c'est pratique. Quand on porte des wigs. Waouh! Du coup, conclusion de cette petite vidéo review, je trouve que pour le prix, elles font largement le boulot. Si vous avez vraiment pas de sous et que vous pouvez pas les commissionner à un vrai artiste, etc., je trouve que ça peut être très avantageux de les prendre. Je vous mettrai le lien des oreilles en bas là, en barre d'infos. Du coup voilà, c'était une petite vidéo rapide, efficace, bim bam boum. Sur ce, je vous dis bye bye.